On va faire une ganache chocolat qui s'utilise très bien pour les macarons ou pour les éclairs. Donc on aura besoin de 200 g de chocolat, 40 g de beurre et 20 cl de crème entière, fraîche, le plus possible. On va faire bouillir notre crème. Voilà, on a notre crème qui bout. On va rajouter nos chocolats. Les chocolats. Si vous avez quelque chose de granuleux, c'est qu'il n'y a pas assez de crème. Et maintenant, on va incorporer le beurre. Hop. Voilà. Donc comme je vais l'utiliser tout de suite, je laisse la température ambiante, mais ça se conserve très bien, évidemment, au congélateur, etc. Faisant bouillir la crème d'abord. En fait, quand on incorpore le chocolat, la température redescend. Et du coup, on est loin d'être à 40 degrés. Donc 40 degrés, c'est la température max pour incorporer le beurre. Ce qui fait gagner du temps.